passer un niveau supérieur au football grâce à ça. Salut l'équipe, comme d'habitude, j'espère que vous allez tous très bien et que vous continuez à vous entraîner pour vos objectifs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au sein de mon club, d'accord, parce qu'on reprend la saison et les entraînements collectifs aujourd'hui, ce matin même. Donc je vous fais vraiment la vidéo ce mercredi qui sortira cet après-midi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement un petit peu ma méthode de travail, sur quoi j'appuie réellement mes coachings individuels, mes entraînements individuels avec les joueurs de différents niveaux, hein. Que ce soit les joueurs en senior, National 3, National 2, ou en régional, ou encore un peu plus bas, ou que ce soit avec les jeunes, U17 Nation, U19 R2, enfin U18 R2, ou ce genre de joueurs de catégorie, pour vous montrer tout simplement ce qui se passe réellement dans les séances mon coach foot. Faut savoir une chose, je suis intimement convaincu que la répétition de gestes et de courses que l'on retrouve spécifiquement à votre poste et à votre niveau vous permettent de passer un cap et un niveau supérieur. Et c'est vraiment là-dessus que j'appuie sur mes coachings individuels. Si vraiment vous voulez bosser avec mon coach foot, c'est ce qui se passe durant les séances selon votre poste arrière latéral, défenseur central, milieu défensif, milieu offensif ou milieu excentré. On travaille des courses que vous allez répéter en match parce que je suis vraiment persuadé que cette répétition fera en sorte que vous soyez plus naturel et beaucoup plus efficace en match et en fin de compte devenir plus décisif, que ce soit pour vous mais aussi et surtout pour votre équipe. Et forcément, être décisif pour votre équipe vous mettra en avant, vous avantagera par rapport à d'autres joueurs. Bien évidemment, sans oublier toujours le socle sur les séances de coaching, que ce soit dans la préparation physique ou quelquefois si quelqu'un a un retard, forcément physique ou athlétique, il y aura toujours un travail d'endurance qui est essentiel, que ce soit de l'endurance continue ou de l'endurance intermittente. Un travail de vitesse, d'explosivité sera essentiel aussi, je le mets en avant sur quasiment toutes mes séances. De toute façon, si on travaille spécifiquement au poste, on retrouve des ateliers et forcément la qualité de vitesse et d'explosivité qui est essentielle au football. La qualité technique aussi qui sera essentielle, mais elle ne peut pas être travaillée seule. C'est pour ça que j'ai parlé de l'endurance et de la vitesse, puisque vous allez faire 4-5 actions balle au pied, tout simplement vous serez cramé, vous ne serez plus lucide et plus efficace pour enchaîner d'autres actions et faire la différence. Et aussi un travail de force. Tout ça sera toujours travaillé et essentiel, que vous voulez travailler de près ou de loin avec mon coach foot. Mais aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose où mon coach foot se démarque, c'est bien ces séances spécifiques à des postes où on le retrouve quasiment jamais. Vous l'avez bien compris. Et si tu es nouveau sur cette chaîne et si c'est la première fois que tu regardes la vidéo de mon coach foot, enfin une vidéo de mon coach foot, tu as bien compris que je ne fais pas d'entraînement spécifique gardien de but ou attaquant. Je pourrais le faire, mais je suis moins efficace, je suis moins bon dans ces domaines-là, alors que pour les défenseurs et les milieux de terrain, c'est vraiment là où j'obtiens le plus de résultats et là où je me sens aussi le mieux, puisque je m'y retrouve. C'est les postes que j'ai le plus entraînés et c'est aussi les postes auxquels moi j'ai joué en tant que joueur. Donc aujourd'hui, si tu souhaites progresser, passer un cap vraiment dans ta carrière et dans ta saison, devenir réellement décisif au football selon ton poste, parce que oui, même un défenseur central peut devenir décisif, oui, un arrière latéral aussi, oui, un milieu défensif et forcément un milieu offensif, un milieu excentré aussi, tous ces postes là peuvent devenir décisifs. Donc si tu veux bosser avec mon coach foot de près ou de loin, envoie moi soit un mail sur cette adresse email là ou sinon sur mon Instagram, d'accord, en message privé ou encore sur Facebook, sur la page Mon Coach Foot. Tout simplement, lâche-moi ton commentaire pour me dire que tu veux bosser avec Mon Coach Foot et justement et devenir plus fort au football dès aujourd'hui et dès cette saison. Arrête de perdre du temps, bosse tout simplement avec moi et tu découvriras que cette méthode d'entraînement spécifique à ton poste te permettra de passer
un cap et un niveau supérieur. Sinon, je vous laisse là, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir le prochain épisode, la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne Mon Coach Foot. Passez une bonne semaine, l'équipe, continuez à vous entraîner, on est ensemble pour réussir.